Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de l'histoire dans Kill Sam Cats of Calico. On avait débarqué à Châteauroux, on avait discuté un peu dans le campement militaire et on devait se rendre dans la ville haute. Allons voir tout de suite de quoi il en retourne en jeu. Et hop, on se retrouve sur notre petit plateau avec notre petite carriole. Et on va aller dans la ville haute. Nous voilà dans les hauteurs de la ville. C'est là que se trouve le cœur actif de la ville libre de Châteauroux. Vous croisez des villages colorés d'aristocrates et d'artistes. En arrière-plan, vous entendez l'ondulation apaisante du ruisseau qui traverse le quartier. Mais vous avez une mission. Vous devez donner l'étendard à la femme du général. Et chercher le soutien de cette fameuse personne qui murmure à l'oreille des gens. Omi. Alors, regardons un peu. Vous entrez dans l'ermitage d'Omi, cosy, mais tout de même spacieux. Une odeur spécifique envahit vos narines. De l'herbe à chat? L'endroit est rempli de chats qui gambadent. Vous distinguez une silhouette immobile qui semble méditer parmi eux. Ce doit être Omi. La personne dont Tante Agatha vous a parlé. L'un des chats vous regarde. Non, pas vous en fait. Il regarde l'étendard de Châteauroux. Vous devez donner l'étendard à Viviane, la femme du général. Ok, donc il est pas l'heure. Allons voir Viviane. Bonjour, vous me semblez être quelqu'un qui s'adonne à la couture. Vous devez donc être la personne que j'attendais. L'adjudant de Joseph m'a dit que vous viendriez. La femme est prise d'une quinte de toux. Elle est très pâle. Pardonnez-moi, ça fait un moment que cette toux me fait souffrir. Il n'y a que dans le jardin que je me sens mieux. Au milieu des roses de Joseph. Elles sont tellement belles. Je ne me suis même pas présentée. Je suis Viviane. Vous pouviez me confier l'étendard. Et on lui donne l'étendard. Cet étendard est... Merveilleux, vous avez un vrai don. Je dirai aux autres de l'installer en plein centre de Châteauroux, sommet de la tour de l'horloge, qu'il servait toute la ville. Je peux vous demander d'utiliser votre don pour un service. Mon amie Frida est une artiste. Elle prépare un spectacle pour l'Ophélie d'Estival. Elle a besoin d'un beau châle pour l'une de ses actrices. Vous pourriez lui en créer un magnifique. Allons-y. Donc il nous faut deux jetons chat et trois boutons. Et seulement des couleurs adjacentes. Ok. Hop. Seulement des couleurs adjacentes. Il faut deux jetons chat. Ah, et on n'a pas de main. Ça, je vais le valider comme ça. Oh, ok. Ça, ça me sert à rien pour mon histoire. Les poids, c'est en ligne droite. Je vais d'abord valider les chats. Hein. Hop. Donc voilà, ça dans mon cerveau c'est validé. Maintenant, il me faut trois jetons chat. C'est-à-dire que je vais mettre les poids ici. Et que du coup, je peux faire ça pour valider ça. Ensuite, je peux faire ça. Sauf que non. C'est mieux comme ça. Parce que du coup, je vais mettre mes poids ici. Je vais mettre ça là. Oui, en fait, ça n'avait pas d'importance parce que je peux le mettre ici, mais je peux aussi le mettre de l'autre côté. On a bien deux jetons chat et deux boutons et trois boutons.
quel châle merveilleux! Il est si beau que j'aimerais le garder pour moi! Merci, j'ai une petite demande en plus! Pouvez-vous apporter ce châle à Frida? Vous devriez la trouver près d'ici, ton studio est de l'autre côté de la rivière. Malheureusement, je me sens de plus en plus mal en ce moment, je peux pas m'en occuper seule. Je dois rester ici et me reposer. Ok, donc on reçoit le châle. Et toujours pas omis de valider, donc on va aller là. Avec notre petit chéri. Ronronner ou ne pas ronronner? Telle est la question. Essaie quelque chose d'autre. Oh, Oslo, Oslo, pourquoi es-tu Oslo? Non, non, ça va toujours pas. Oh, excuse-moi, ça fait longtemps que tu es là? You can call me Frida, l'artiste la plus célèbre de Satoru. Je travaille sur mon plus grand chef-d'œuvre pour le Félide Estival. Mais il manque encore quelque chose. What a tragedy! J'ai besoin d'un châle élégant de la part de mon ami, incapable de décorer les épaules de mon actrice principale. Oh, Viviane te l'a confié, donne-le-moi s'il te plaît. Il est magnifique, mes chats. Je vois aucun chat par ici, j'ai besoin de leur bénédiction. J'ai l'impression que tu as une âme d'artiste. Tu pourrais apporter quelques modifications à ce châle pour que les chats viennent me voir. J'ai besoin d'inspiration. Le monde a besoin de mon art. Ah bah allons-y, allons-y. Alors, remporter 7 jetons chats. Ah ouais, 7 jetons chats, carrément. Seulement des couleurs adjacentes. Alors, ok, Coconut, Emily... Coconut et Millie. Il n'y a pas de motif particulier. C'était peut-être pas la bonne idée. Non, c'était pas la bonne idée. Je vais plutôt mettre ça par là. Avec j'ai que des verres. Je vais prendre ça. Hop. Donc que des couleurs adjacentes. Non, j'ai pas trop d'idées en fait. Il faut remporter 7 jetons chats, hein. C'est pas rien. En même temps, j'ai l'impression qu'on va surtout remplir de violet et de vert. Ah, j'ai l'impression d'avoir pas bien choisi là, mon coup. On va défaire ça. Ouais, mon coup, ça me va pas. Je vais mettre ça là plutôt. Donc on valide ça comme ça. Hop. Pour l'instant je vais pas valider plus. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des pois violets. Les pois c'est du 3+. Je peux les mettre là. Mes pois. Ensuite, j'ai quoi? Des rayures violettes. Je peux les mettre là. Là, peut-être. Je dirais plutôt là. Et ensuite, il me reste... Du coup, je pense que je peux me mettre là sans aucun souci.
Donc on a bien les 7 jetons chat. It's wonderful! Je crois que j'ai entendu un miaou. Toi aussi? Je suis à deux coussinets de m'évanouir avec tout ça. Je peux enfin travailler sur ma pièce. Je sens une vague d'inspiration qui me submerge. J'ai tellement hâte de la première. Pendant le folie d'estival, les gens de tout le pays viennent en ville. Ils rendent hommage aux chats avec des cadeaux et des performances de toutes sortes. En échange de nos efforts, les chats décerneront leur protection, leur bonne fortune à Châtelou. La magie de nos chats nous a toujours assuré la sécurité. Aucune armée ne peut rivaliser. Ok, donc on peut retourner voir tout le monde et on peut aller voir Omi. On ira voir Omi après. Alors, des trous à raccommoder dans un jupon. Remporter 4 boutons et il faut qu'on soit fort en réussissant. Ça. Ok. Attends, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Pas grand-chose. Il me faut 4 boutons, il faut que je réussisse ça. J'ai que du bleu et du jaune. Ok, donc ça veut dire que on veut 4 boutons. Et on n'a pas de main. Et j'ai 2, 4, 6, 8, 9 tuiles pour 6 à poser autour. Ça veut dire que je peux en poser que 3 à côté. Faisons. Hop. 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 Il me faut ça ici, c'est pas mal. Ça comme ça, c'est pas mal aussi. Du coup, là, je suis à 2 jaunes, 2 bleus. Ah, j'ai raté. Non, c'est bon, je pense. Non, j'ai raté. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je peux faire ça. Ça. Et ça. J'y croyais pas. Voilà un jupon rondement réparé. Contente de te voir. Un trauma dominant vient de se produire. Une actrice a déchiré sa robe. Aide-nous, je t'en conjure. Ah bah oui. Complétez une tuile d'objectif et de conception en utilisant des couleurs et des motifs. Avec seulement des motifs adjacents. Seulement des motifs adjacents. Ah ouais. Oh my god. Ouais, je peux te caler là.
Là, j'ai deux couleurs et deux motifs. Il me faut trois de chaque. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué. On recommence. J'ai mal joué pour la simple et bonne raison que ici, il nous faut trois motifs et trois couleurs. Or, mettre un jaune, c'était absolument pas la bonne idée. Le jaune, il faut le mettre là. Donc, moi je mettrais bien ça comme ça. Sauf que si je fais ça, si je fais ça, ça va encore pas passer en fait. Ça va pas passer à cause de ça. Si, ça va passer. Il faut, je vais réussir à mettre une rayure en arrivant de l'autre côté. C'est ça en fait. Donc, je mets des poids de ce côté-ci. Sauf qu'en fait, il faut pas que mon poids. Est-ce que mon poids, il peut être violet, est-ce qu'il peut être rose, est-ce qu'il peut être bleu? Ça va être du bleu. Ça va être du. Du bleu et du violet. Non, violet, ça passe pas. Attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça et ça. Il me faut des pois. Il me faut deux pois. Ça va être du pois et du rose. Donc, il faut pas que je pose mon pois rose. Faut que je pose mon pois pas rose. Sauf que du coup, mon vert, il va pas être où je veux. Non, je vais prendre celui-là. En fait, si ça a forcément le poids vert. Ces trois-là sont des rayures. Sauf que du coup, je peux pas poser celui-là là. Et du coup, je l'ai dans le baba. Du coup, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Celui-là, je peux le poser que là. On a dit des pois à côté des pois. Sauf que ça pourrait être très bien ces pois-là. Est-ce que ça m'arrange en fait?
Non. Non. Ah. Je dois bien avouer que là, j'ai pas trop d'idées. Je vais y aller au pur feeling. Ce qui me plaît moyennement, hein, d'y aller au pur feeling. Parce que c'est quand même pas hyper trivial. Ouais, mais celui-là, j'ai pas le choix. C'est le seul de son motif avec l'autre. Si, parce qu'en fait, c'est ceux-là qui vont aller là. Ici, il manque une couleur et un motif. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une couleur et un motif. Et je pense que là, je me suis plantée. Je pense que je me suis... Ah, quoique non. Si, je me suis plantée, parce qu'en fait... Si, je me suis plantée sur celui-là. Je me suis plantée sur celui-là. Je vais... Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, on remet celui-là là. Et là, je suis pas contente de mon tirage. Parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre. Là, ce qui m'embête en fait, c'est que la seule couleur que j'ai en 4 exemplaires, c'est le bleu clair. Donc c'est forcément un bleu clair que je vais devoir mettre là, et du coup, c'est forcément des pois. Sauf que du coup, pour que ce soit forcément deux autres pois, bah, ça va être forcément des pois roses. Or là, du coup, je me retrouve un peu... contrainte parce que j'ai tous les pois que je veux dans ma main sauf qu'en fait je peux très bien mettre un pois ici je peux très bien mettre un pois ici c'est une fausse question. Voilà, c'était une fausse question, je l'avais pas vue. Sauf que ça va pas marcher en fait. C'est une fausse question, certes, mais c'est les bleus d'abord. Parce qu'il me faut trois roses de ce côté-là. Je peux mettre celui-là. Hop.
Parfait. On valide celui-là. On est bon. Ensuite, on va poser le vert parce qu'il a qu'un seul emplacement possible. Et ensuite, on va prendre un truc à poids. Non, c'est pas un truc à poids que je veux. C'est un truc à rayures. Et peu importe la couleur. Ouais, ça va être un truc à rayures, peu importe la couleur. Donc, on va se rajouter un jeton. Ah, c'est pas adjacent. c'est pas adjacent. On va y arriver. Ça complique vachement tout le fait qu'il faut y aller sur des adjacents. Voilà, c'est pas mal ça. Parfait! Merveilleux, thank you. Voilà, on va pouvoir aller voir. Humi. Enfin, la mystérieuse personne ronronne comme un chat et ouvre doucement les yeux. Je me souviens de toi. Tu étais enfant lors de notre dernière rencontre. Les chats m'ont dit que tu allais venir. Ils ont apporté des nouvelles au sujet de la lettre de l'usine. Je n'ai ni genre, ni nom, ni histoire. Je dévoue ma vie au service des chats. Les gens m'appellent Omi. Je sais pourquoi tu es là. Tu as besoin de mon aide et tu cherches ton père. C'est dans mes capacités, mais tu dois me prouver que tu en es digne, que tu peux faire face à ce qui t'attend, que tu détiens du pouvoir. Fais donc un édredon que les chats aimeront. Bah oui, allons-y. Alors, remportez 4 jetons chats. Ok. Et on a Kali. Et seulement des couleurs adjacentes. Bien évidemment, sinon ça serait pas marrant. Je vais faire la chose que je vois dès le début. Ce qui était peut-être pas forcément le plus intelligent du monde. Parce que du coup... Je vois pas comment faire pour le reste. Non, c'était pas le plus intelligent du monde. C'était le plus obvious, le plus évident, mais en fait, ça m'a pas du tout servi. En tout cas, pas du tout servi dans le bon sens. Hop. Il me reste. Et il me reste des rayures, et il me reste cette chose-là qui va être là pour faire une transition avec des couleurs, sans l'ombre d'un doute. Sachant que j'ai 3 poids, ça veut dire que je dois pouvoir faire quelque chose à un endroit. Avec mes 3 poids. Donc peut-être qu'en fait, je vais mettre ça. Ici. Non, ça n'a aucun intérêt. Ça va pas me permettre de faire mieux.
J'ai du bleu, j'ai du vert. C'est là plutôt. Donc, le jaune ici. Le vert là. Le bleu ici. Et ensuite, il me reste un jaune et un violet ici. C'est parfait. La prophétie des chats n'avait pas menti. Tu as du pouvoir. Mais il est encore à l'état de bourgeon. Pour atteindre l'usine et découvrir la vérité sur ton père, tu dois développer ton potentiel. Tu dois développer l'intégralité du pouvoir de chuchoter à l'oreille des chats. Les chats veulent que je t'entraîne. Ils veulent te suivre et t'aider lorsque le temps viendra. Ne perdons pas plus de temps. Remporter 6 boutons et remporter la partie. Ok. Ah oui. En face d'Omi. Alors moi j'aime bien celui-là. Ensuite, je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Alors, on a Millie en 3+, Kali avec un triangle et Tibit en 4+. Ok. Et du coup, j'ai pas de contraintes, hein. C'est vraiment. Pour l'instant, je place un peu des tuiles. On va essayer de préparer des choses. Voir un peu ce que ça peut nous apporter. Je réfléchis aussi par rapport à ce que je peux faire comme combo. Je vais prendre ça. Au niveau des couleurs, au niveau des. Ici, là, les plumes, c'est du 4+. Mettre là. Je peux te mettre là, je peux te mettre là, et je peux prendre ça par exemple. Hop, les pois verts, c'est pas mal. Du coup, on va mettre nos pois verts là. Et on va commencer à réfléchir à des choses un peu plus pratiques. Tibit, c'est du 4+. Il nous faut des boutons, hein. L'objectif c'est les boutons. J'aime assez ça. On va prendre. La papa Milly, c'est du 3 plus, c'est faisable. Ça, c'est sympa aussi. Je vais faire ça comme ça me force une troisième couleur. Et je vais prendre ça. Je vais la poser là. Comme ça, potentiellement, je pourrais peut-être faire quelque chose qui m'intéresse. Parce que pour l'instant, j'ai pas de bouton.
Et c'est quand même ça qu'on vise, hein, des boutons. Et là, je suis un petit peu mal parti, voire même complètement mal parti. Ouais, je suis pas très inspirée. Donc là, j'ai validé les quatre couleurs. Par contre, il me manque un motif. Hop. Je vais prendre ça. Je vais faire ça comme ça. Si je fais ça, ça me rajoute un troisième motif sans me rajouter de couleur. Et par contre, je sais que je pourrais de toute façon pas rajouter de bleu. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Oh, ça c'est super. Ça veut dire que je vais plutôt là j'ai trois motifs. Mais je sais que je pourrais pas faire de combo, je pourrais faire ça. Qui me garantit un combo à coup sûr. Hop, ça c'est ce qu'il me fallait. Alors là, j'avoue qu'il y a plein de choses qui me tentent. Je vais prendre le verre à pois. Non, je vais prendre le bleu. Hop. Qu'est-ce qui m'arrange le plus ici? J'ai mes trois motifs, mais j'ai pas mes trois couleurs. Par contre, ici, j'ai tous mes motifs et toutes mes couleurs. Non, il me manque un motif. Je peux faire un motif dans n'importe quelle couleur, entre jaune, rose et vert. Sauf forcément des pois, des étoiles ou ça. Donc je vais prendre celui-là. Ah, c'est pas mal la jaune. Du coup, si je fais ça, j'aurai deux de chaque. C'est pas si mal. Et je rajouter mon violet. Je pourrais rajouter mon violet pour compléter. Ça me paraît pas mal du tout. Par contre, ça serait bien que j'ai un bouton en plus. Parce que là, j'ai pas ce qu'il faut en bouton. Donc je vais peut-être faire quelque chose de différent.
Du genre ça. Et du genre plutôt je prends les pois verts. Donc je prends les pois verts, je les mets là. Et je prends n'importe quel motif en rose, jaune ou vert qui n'est pas des pois, des petites étoiles ou des petites arabesques, autrement dit. J'ai de la chance. Et en plus, on va faire un jeton arc-en-ciel. Hop, parfait. Je pense que pour remporter la partie, on va être pas mal. Effectivement, notre score monte, monte, monte. On a donc battu Omi. C'est fait. Je ne peux rien t'apprendre de plus. Sers-toi de la présence bénie des chats et entre sur les terres de l'usine. Ok, donc plus rien à faire ici. Et je pense qu'on va se laisser là et qu'on ira à l'usine tout à l'heure, dans le prochain épisode, puisque c'est déjà très long. Et je pense qu'on doit pas être très loin de la fin du chapitre 3, même s'ils sont pas officiellement notés en tant que chapitre, ils sont là dans les succès en fait. Et ben, je pense qu'on a déjà pas mal avancé. Je vous remercie. Pour votre suivi, pour votre attention, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!